Eh bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, épisode numéro 16 sur l'aventure des enfers. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve dans notre somptueuse maison que nous allons aménager aujourd'hui. En tout cas, on va essayer de l'optimiser un petit peu plus. Pour l'instant, on est déjà pas mal. On est déjà pas mal. On a fait le rez-de-chaussée, si on peut dire le rez-de-chaussée, parce que bon, au final, ok, le rez-de-chaussée est tout en bas. Mais c'est aussi là où il y a la porte d'entrée, en sachant que la porte d'entrée est par en haut. Je sais pas vraiment si c'est le rez-de-chaussée. Bref, s'en fout, c'est pas le principal. Aujourd'hui, on va continuer nos, comment dire, à faire les pièces. Je sais pas si j'aurai assez de charbon, par contre. Je l'espère, on verra bien. Mis à part ça, eh bien, on va voir ce que ça donne. Il va falloir que je compte pour voir approximative là où on doit commencer. Là où on doit s'arrêter. Il me semble, si je dis pas de bêtises, à partir du plafond, je crois que c'est ici. Ouais, c'est ici, à partir du plafond. On compte 2. Ouais, 3 de hauteur et c'est là. Donc. 1, 2, 3. Alors attendez. Que je dis pas de bêtises. 1, 2, 3. Donc c'est ici. Logiquement, ça serait ici. Non, ça va au-dessus. Attendez. Que je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un au-dessus. Un au-dessus de ça. Donc c'est plus de 3. Attendez, je vais déjà reposer les blocs pour commencer. Donc un au-dessus de celui-là, donc c'est ici. On va casser ça. Voilà, je suis tranquille. On va éviter de casser celui-là pour l'instant. Je vais poser des panneaux pour dire de reboucher la brèche. Parce que là, l'eau, elle est en train d'un petit peu en train de couler. Je sais pas si j'ai des panneaux sur moi, par contre. Je vais regarder ça tout de suite. J'ai des panneaux sur moi, donc ça c'est plutôt cool. Hop. On va aller poser les panneaux pour être tranquille. Hop. Hop. Et pour finir, hop. Comme ça on est tranquille ici. On va donc pouvoir casser ce premier bloc. Poser le panneau. Casser ce second bloc. Poser le même panneau et pour finir casser ce bloc-là pour ajouter ça. Alors qu'est-ce que j'allais dire moi? Déjà une bêtise comme d'hab. Voilà. Ici on va faire notre plafond. Comme par hasard. Et j'avais suggéré un sondage pour le dernier épisode les amis. Il semblerait que nous sommes à 3 pièces pour la maison. En tout cas, c'est ce que vous aviez décidé. Je ne vais pas reparler du nombre de votes qu'il y a eu. Voilà, c'est clairement minable. Comment dire? Ouais, nique, je le fais à cette hauteur. Hop, on va descendre ici. Là, pour pouvoir casser ça, là. Les vitres qui sont là. Et on va essayer de gérer pour pouvoir mettre un bloc ici. Fou! Il est précis ce bloc. Voilà. J'ai rien dit. Bon. Voilà, c'est bon ça. Ensuite, je sais plus comment aller la porte. Non, c'est pas grave. On va la faire ici. Une, deux, deux et trois. Il va falloir qu'on retourne aussi dans les mines pour aller chercher un peu de, comment dire, un peu de. Pas du charbon, mais bon, on n'est pas loin. C'est du diamant. Est-ce qu'on en aura besoin? Casse pas ça. Voilà. Bon, dans l'ensemble, ça a l'air convenable. On va venir poser un bloc ici, comme ça on va pouvoir décaler ici pour mettre les blocs là. Allez, hop, on va faire toute la ligne ici, comme ça sera tranquille. Voilà.
Donc ici, moi, je voulais faire une genre de petite mezzanine et ici refaire le même étage avec une autre petite mezzanine. Comme ça, on aurait été quand même convenable et bien posé dans notre maison. Voilà. C'est plutôt bon ça alors. Oups. Manque de charbon peut-être? Non, même pas. Faut toujours qu'il y ait un bloc qui se mette traviole. Il suffit de bien viser et après on s'enchaîne. Comme par hasard. Écoutez, on va tous mettre cela. Et je vais refaire fondre. Je crois que j'ai encore du verre. Pour éviter de galérer pendant 15 ans. Parce que c'est une perte de temps ce qu'on fait. Voilà. Alors maintenant, on va savoir jusqu'où je vais l'étendre. Je pense que là, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Donc j'avais parlé de trois pièces. Une mezzanine, je sais pas si on peut parler ça comme une pièce. En sachant que moi je pensais faire un trou ici là. Et comment faire une pièce par derrière. Et faire la salle des coffres là derrière. Après à voir vraiment comment je vais pouvoir faire ça. Au final, c'est plutôt convenable. Hein. Moi, donnez-moi votre avis par rapport à la maison dans les commentaires. Cela m'intéresse grandement. J'ai hâte de voir la fin de la maison. Parce que là, c'est de plus en plus grand. Voilà. Ça, c'est fait. Je pense qu'on va faire un... Comment dire? Un espèce d'arbre. Oh, le mec, il veut faire un arbre dans sa maison, quoi. Je vais voir comment ça peut rendre. Si je fais un arbre pour soutenir Middle. Et que je pars d'en bas, je fais pousser un arbre en fait. Ça va venir tenir la mezzanine. Et ça va venir pour faire tenir la mezzanine ici qui sera un peu au-dessus. Et pour finir, il va sortir de la maison avec ses jolies feuilles et tout. En mode artificiel si vous préférez. Maintenant, il me faudra du chêne. Énormément de chêne. Parce que c'est l'arbre badass que je veux faire. Oak, c'est chêne. Et birch, c'est bouleau. Je vais déjà commencer par faire des blocs de charbon. Au moins, je serai tranquille. Donc, il nous reste vraiment pas grand-chose pour faire des blocs de charbon. J'espère vraiment que j'aurai assez. Je n'aurais clairement pas assez. Donc ça, on va s'en servir pour le four. Voilà. Alors, il commence à faire nuit. Je vais récupérer un peu de bois. Je vais d'abord dormir. Puis après, on va aller récupérer du bois. Le bois que j'ai mis à pousser ici. D'ailleurs, heureusement que j'en ai mis. Et je vais pouvoir faire cet arbre en chêne. Je trouve que c'est le meilleur bois. C'est surtout le bois de base de Minecraft. Très clairement. Et après à voir. Alors j'ai repéré un jeu qui a l'air plutôt intéressant à faire. Je pense que je vais l'acheter et qu'on va se faire une aventure dessus. Bien sûr, c'est l'aventure des enfers. On va sûrement commencer un. Comment dire? Un let's play. Bah, pas un let's play, une aventure sur un nouveau jeu. Je pense pas arrêter totalement Minecraft. En tout cas, bah, pendant une partie. On va laisser tomber un peu Minecraft, arriver au centième épisode de l'Aventure des Enfers, parce que c'est là où la saison va se terminer, et on va pouvoir faire un break au niveau de cette série, parce que, comment dire, clairement, les vues qu'il y avait avant et les vues qu'il y a maintenant, ça a rien à voir, quoi. Clairement, ça a rien à voir, c'est l'une des séries qui commence à, je sais pas, j'ai l'impression que elle vous intéresse pas comme avant, en fait. Du coup... Dès qu'elle est finie, on va se mettre sur un nouveau jeu. Je crois que j'ai déjà téléchargé la démo de base pour essayer.
C'est un univers qui va nous faire penser à Minecraft, mais d'un côté qui va être, comment dire, qui va pas être comme Minecraft. J'ai déjà plus le nom du jeu, tiens. Comme ça, elle est bien. Comme ça, on est bien. J'ai déjà plus le nom du jeu. Attendez, laissez-moi réfléchir quelques instants, puis je vais regarder. Je crois que c'est Dragon Quest. Hey. Vérification dans quelques instants. Je finis de couper les armes et on va vérifier ça. Il me semble que c'est Dragon Quest. Alors, l'univers Minecraft revient, on va dire, approximative. Mais c'est pas encore le même type de jeu. C'est. Comment dire? Ils ont lié le monde de Minecraft, si vous préférez, si on peut dire ça comme ça, à un RPG. Donc, on a des quêtes à faire, on a des missions à faire. Il me semble qu'il y a un boss à tuer par la fin. Et à voir vraiment ce que je peux en tirer de ce jeu. Je vais regarder les informations sur ce jeu justement. Pour m'informer un peu, voyons. Et je vous mettrai la fiche descriptive sur l'écran. Ça, vous pourrez voir un peu ce que vous en pensez. Donnez vos avis aussi dans les commentaires. Ça serait pas la fin de la... Ça serait pas la fin de cette aventure suivie. Ça serait, comme je vous dis, une petite pause pour dire de commencer à faire, donner un nouvel air, nouveau souffle à la chaîne, changer un peu, faire que du Minecraft, c'est ce que je faisais exactement avant. J'ai arrêté plusieurs séries sur Minecraft et comment dire, et c'est pas plus mal parce que Minecraft, je commençais vraiment à comment dire, ça commence vraiment à peser, hein. C'est faire tout le temps la même chose en continu, bah, c'est lassant en force. Donc, je vais changer un peu pour dire de renouveler un peu le truc. Et c'est Dragon Quest, j'ai bien raison. Et avoir vraiment. J'ai testé la démo. Au pire, si vous voulez, on testera un épisode. Ah, un épisode. On testera ensemble une vidéo là-dessus pour que je vous montre vite fait comment ça se passe. Mais je pense acheter le jeu de base. Et puis, par la suite, pourquoi pas faire une aventure suivie. Et puis, comment dire, varier, si jamais ça vous plaît, varier sur les deux jeux. Faire une aventure sur l'une, et dès qu'elle est finie, faire l'aventure, continuer sur l'aventure des enfers, etc. etc. Puis à voir si ça vous plaît ou pas. Après, on verra ça. Ça vous plaît? Pour le reste, je veux dire, on verra bien. Écoutez. Hop. Que voici. Et je vais poser mes pouces ici. Hop. Il me faudra encore des arbres, encore du chêne, encore et toujours du chêne. J'aime le chêne. Il me faut du verre, effectivement, j'en ai sur moi, c'est magnifique. Est-ce que du verre j'en ai encore ici? Non, j'en ai plus là, et j'en ai plus là. Il n'y en a pas. Il y en a à cuire, magnifique. Donc là, je pense que j'en ai largement assez, même de trop. Et donc, on va aller voir ça. Est-ce que j'ai encore un manger? Oui, j'ai encore large à manger. Hop là. On va aller reboucher le trou qu'on a fait en deux spi. Ça sera vite fait. Et j'aurais pu puissance triangle, ça aurait été plus vite. Hop là. Ça, c'est fait. On pourra descendre ici. Pam. Et nous faire un joli petit arbre. Alors moi, je verrais bien un bétal de chêne, genre. Comment je vais pouvoir voir ça? Hop. Ça. Ici. Ici. Ici et ici. Et on va le faire partir ici. Ici. Et ici. Faire les racines, quand même. Que ce soit un peu plus réaliste.
que voici. Ouais, dans l'ensemble, ça a l'air convenable. Comment faire ça? Moi, je dirais comme ça ici, on va casser. Je crois qu'il va prendre de la place cet arbre. Ici, on va le casser, on aura besoin de ça. Voilà. On va venir le décaler par ici, l'arbre. Comme ça, on va refaire la croix ici. Comme ça. Comme ça. On va pouvoir venir casser ça. Ça. Chiotte. Non, ça. Ça. Est-ce qu'on peut faire un truc genre comme un espèce d'escalier comme ça? Je vais voir pour faire un truc comme ça, ce serait pas quand même pas mal. Hop, hop. Faudrait que j'essaie de faire un escalier. Bon là c'est on est plutôt dans le thème. Pour pouvoir monter sur la mezzanine directement. Dans ce cas-là, on n'aurait plus besoin de d'autres choses. À voir maintenant ce que je peux en faire. Pour venir casser ça. Parce que là, il y a l'arbre qui va passer à travers. Faut quand même que ça ressemble à un arbre. Faut récupérer des pousses. Alors, il y a ça en V. Ça et ça. Non, ça, faut le garder. Je dis des bêtises. Comme ceci. Va venir maintenant, on va venir le casser comme ça. Et je vais aller récupérer du bois encore, parce que j'en aurai encore besoin, c'est sûr. On est sur une construction d'arbres qui a l'air quand même convenable. À voir maintenant par la suite ce que ça peut donner. Hop, je vais aller chercher du bois. Parce que j'en aurais besoin, il me faut du chêne. Énormément de chêne. Allons chercher du chêne, les amis. Et on va aller voir ce que ça peut donner. Alors ici, il y a un, deux chênes qui sont prêts. Hop. Plus il y a de chêne, mieux c'est. Et je vais repousser un peu le temps des épisodes de l'aventure des enfers. Je vais faire des épisodes de 30 minutes maintenant. Parce qu'effectivement, 20 minutes, c'est vrai que c'est bien. Mais c'est peu, on peut pas faire énormément de choses. Du coup, je vais faire des épisodes un petit peu plus longs. Bon, on voulait pas, mais bon, écoutez. Quand on peut pas faire grand-chose dans un épisode, ça m'handicape un peu. C'est un peu chiant. Donc, je vais agrandir un peu les épisodes, juste de 10 minutes. Puis au final, je pense que c'est aussi bien pour vous comme pour moi. J'ai plus de pouces. Mince, alors. Lol. Ah, magnifique, l'arbre vient de pousser ici. Hop. Comme ceci. On va venir le tailler. Il n'y a plus de chêne? Non, on va laisser tomber les pousses. Ce qu'on va faire en attendant que les pousses y tombent. Je sais plus ce que je voulais faire, mais. Mince. Ouais, je sais plus ce que je voulais faire. J'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais faire.
Je vais aller chercher de la bouffe. J'ai encore des pousses ici. C'est plutôt cool. Et on va aller chercher du bois en bas. Parce que les arbres, ça pousse pas. En tout cas, pas assez vite. À mon goût, en tout cas. Il me semble qu'il y a encore un trou quelque part. J'ai rêvé? Ah oui, j'ai rêvé. Ok, c'est un chêne, c'est nickel. J'avais même pas vu. Donc, il y a encore un trou quelque part, j'avais raison. Voilà. On va aller chercher du chêne en bas. Il me semble que. Ouais, là-bas, il y en a. Regardez. Regardez une jolie forêt de chêne. Du chêne et du boulot. C'est bon, ça? Allez, au boulot. On va couper du boulot. Blague de merde qui n'est pas à refaire. En forêt. Hop. Bon, bien sûr. Je reviens encore une fois là-dessus. Dragon Quest, c'est pas une chose qui va changer, qui va. Comment dire? Ça va changer un peu. On va changer de jeu, mais c'est pas un truc qui va remplacer Minecraft. Loin de là. C'est juste. Juste pour dire de donner un nouveau souffle à la chaîne, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais surtout pour éviter que je me lasse de Minecraft et tout le temps faire la même chose. Au final. Au final, je pense que vous serez pas con. À voir, dites-moi quoi dans les commentaires. Encore une fois, surtout les amis, l'espace commentaire ne sert pas à corriger mes fautes. Corriger mes fautes dans les titres, je sais le faire. Donc laissez-moi tranquille. Et donnez plus votre avis dans les commentaires que faire des corrections d'orthographe. C'est quand même plus intéressant pour moi que de lire tout le temps des commentaires comme vous mettez en ce moment. Parce que là, c'est pas terrible quoi. Hop. Parce qu'effectivement, c'était quoi? C'était quand déjà? Attendez que je dis pas de bêtises. Le dernier épisode de FK. J'ai eu aucun commentaire concernant la saison pour l'instant. C'était que des commentaires par rapport à des fautes d'orthographe. Malheureusement, on peut pas faire autre chose, mais triste. Comme on dit. Hop. Sinon, dans l'ensemble, tout est convenable. J'ai fait l'acquisition d'une. Oh, remarque, ça vous intéresse pas au pire. Bon. Dans l'ensemble, il me reste celui-là. Et on va pouvoir aller continuer notre arbre. Une dernière fois. En fait, je suis descendu, mais j'ai même pas de coupé de chaîne. Lol. Je suis descendu. Je me suis fait avoir. J'ai failli me faire avoir par un creeper. Je suis remonté. Oh, le mec qui flippe que. Non, mais sérieusement. On va aller dormir un petit peu. Parce qu'il fait. Pour éviter que des monstres spawnent dans la maison. D'ailleurs, il y en a une qui va spawn sur la montagne. Je vais lui niquer sa race. Creeper, creeper, creeper. Salopio. Tiens, mange. Oula, pas ça. On va prendre ça. Voilà. Et on va pouvoir venir tailler l'arbre ici. Bon. Avant de redescendre dans la maison, je vais faire une pioche. Parce que j'en ai vraiment besoin. Et je me suis trompé, c'est pas une pioche, c'est une hache. Mais bon, c'est pas grave. C'est qu'un détail. Parce que là, on n'a plus de hache. Et je commence vraiment à tomber à court. Les outils en pierre, on les a bien usés. On les a surtout bien utilisés. Ils ont fait leur temps. Maintenant, il vaut mieux les remplacer par des objets en fer. Alors, il nous fallait ceci. Ici, on peut le casser, il sert à rien celui-là. Oui, ça fait une espèce d'escalier en même temps. C'est plutôt convenable. On va.
pouvoir tourner un peu ici comme ça. Et on va revenir comme ça ici dans le vide. Hop. Voilà. Comme ceci. On va pouvoir ici venir. Lolololol. Ici. Tac. Co. XD, hein. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Non, celui-là, j'aurais peut-être pas dû le faire. Non, on va mettre celui-là. Ici. On va venir rajouter une bûche. Et rajouter une bûche. On est bientôt au plafond, on est bientôt au plafond. Bon, on va tailler toutes les bûches qu'on a plus besoin. Genre celle-ci, qui servait à rien. Il y avait celle-ci. Si je peux, il y avait celle-ci, voilà. Et je vais tourner autour, il y avait celle-ci. 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 Voilà, on va récupérer ce qu'il y a à terre. Que je tourne un peu, j'en vois une là. Celle-ci. Voilà. Je voulais savoir si. Si quoi? Ah, juste quelques instants. Oups! C'est pas là-dedans, c'est dans ça. Qu'est-ce qu'il me raconte? Salut Tina, ça va? Tranquille toi? Je voulais savoir si c'est bien demain la nouvelle mise à jour Minecraft. Bonne question. Écoute, je vais te dire ça mon ami dans quelques instants. Écoute, je vais aller voir. Je vais tailler cet arbre aussi. Comme ça ici on pourra mettre un une espèce de coffre ou je sais pas ce que je vais faire exactement. Oh sinon dans l'ensemble l'arbre il est quand même convenable. Moi j'aime bien. Je trouve ça frais. Je trouve que je l'ai bien fait. Il y a celui-là qui sert à rien. Voilà. Ah sinon je l'ai bien fait. Et ce petit escalier là qui passe bien aussi au niveau de l'arbre, c'est quand même convenable aussi. Me fait plaisir. Écoutez, je vais aller voir si c'est demain la mise à jour Minecraft. Moi personnellement, j'ai pas entendu de telles choses. En tout cas, je ne sais même pas. Je ne sais même pas si. C'est vrai que les actualités Minecraft, je suis plus beaucoup. Et je vais aller voir ça tout de suite. C'était sur quoi déjà que j'allais voir ça? Mise à jour. Minecraft. Alors. Ah, fonctionnalité à venir. Minecraft wiki officiel. Ah, le bleu, je suis trompé. Hop, le temps que ça s'ouvre, le temps que ça charge, je vais quand même bouger un peu. Alors, si je dis pas de bêtises, on va pouvoir rajouter une bûche ici. Voilà. Donc, il y en a une qui sert à rien, c'est celle-là. Après, il y a encore une bûche qui sert à rien, si je dis pas de bêtises, c'est celle-ci. Voilà, on pourra descendre tout doucement. Récupérer les bûches qui sont tombées. Hop. Je crois qu'il n'y en a plus d'autres. Non, il n'y en a plus d'autres. Bon, je vais aller voir maintenant. Je vais quand même finaliser ça. Alors ici, on peut mettre une bûche. Et après, j'ai pas assez pour mettre. Je vais mettre une demi-dalle. Oups, je crois que j'étais en sneak. Autant pour moi. Alors, nous y sommes, nous y sommes. Dernière fonctionnalité Minecraft. Sortira le 4 octobre. Ouais, c'est bien demain. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Ajoute des igloos, ajoute des fossiles. Ah bon? Dans les villages, il y aura des biomes variants.
se génère désormais avec le bois d'acacia au lieu du bois de chêne. Les églises et les forges se génèrent désormais avec de la pierre, peu importe le biome. Les fermes peuvent désormais générer des betteraves. Ok, il y aura des betteraves maintenant. Bloc. Dans les blocs. Ajout du bloc d'os, ajout du bloc d'herbe, ajout de la bannière. De la bannière? Version inclue, interface spéciale. Bloc de magma, brique du nether, brique rouge du nether, bloc verrue du nether, brique de l'under. Dans les. De la betterave, la soupe de betterave. Dans les enchantements, nous aurons. La semelle givrante. Comment ça? L'ajout de l'enchantement semelle givrante. Connais pas. L'ajout de l'enchantement raccommodage. Manting, c'est marqué. Créature. L'ajout de l'ours polaire. Ok, il y aura des ours polaires sur Minecraft. Et autres. D'un pack de skins, un pack de ressources et de la carte chinoise, non, chinoise mythologie. Ok. Et eh ben je savais pas les amis. Écoutez, j'ai été informé par un abonné comme quoi il y avait une mise à jour qui sortait demain et j'en suis plutôt content parce que vu tout ce qu'on vient d'avoir, tout ce que je viens de vous citer, ce qu'on va avoir demain, c'est plutôt positif. Alors je vais lui répondre tout de suite. Si je dis pas de bêtises, c'est Logan. Bien sûr, c'est bien demain. Demain, la sortie de la nouvelle mise à jour. Sortie de la news et magie. Ça ira peut-être plus vite. Ouh, tch-tch. Hop, que voici. Peser, c'est envoyé, allez, salut! Bref, on appuie cette boue pour faire la suite de l'arbre. Alors, ce qu'on va faire, l'ami, vu qu'il est pratiquement l'heure, si j'ai pas de bêtises, on a même dépassé de 2 minutes, c'est pas énorme, c'est pas trop grave non plus. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode, les amis, vous aura plu. Si jamais il vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce. On apprend à faire des arbres, vous avez vu? Ouais, je sais faire un arbre en Minecraft, c'est plutôt cool. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais il vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce vert, un petit commentaire pour donner votre avis sur tout ce qui s'est passé durant cet épisode. Très important, parce que cela m'intéresse vachement. Sinon, je vous le demanderai pas, bien sûr. Attends, je vais essayer de monter. Hop. Hey, c'est qui le beau gosse? C'est vrai que c'est dur parce que les commentaires. Trop de balles. Bref, sur ce, on se retrouve pour un nouvel épisode sur l'aventure des enfers la semaine prochaine. Allez, bye tout le monde.